Luc 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Psaume 81, verset 1. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Proverbe 18, verset 10. Le nom de Jéhovah est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Psaume 144, verset 1. Béni soit Jéhovah, mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. Ézéchiel 21, verset 19 à 22. Et toi, fils de l'homme, prophétise et frappe des mains, et que les coups de l'épée soient doublés, soient triplés. C'est l'épée du carnage, l'épée du grand carnage, l'épée qui doit les poursuivre, pour jeter l'effroi dans les cœurs, pour multiplier les victimes à toutes leurs portes. Je menacerai de l'épée. Ah, elle est faite pour étinceler, elle est aiguisée pour massacrer. Rassemble tes forces, tourne-toi à droite, place-toi, tourne-toi à gauche, dirige de tous côtés ton tranchant, et moi aussi je frapperai des mains, et j'assouverai ma fureur. C'est moi l'Éternel qui parle. Deutéronome 28, verset 7. Jéhovah te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin, et ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. Éphésiens 6, versets 10 à 13. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute-puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Éphésiens 6, versets 14 à 17. Tenez donc ferme, et ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. 2 Corinthiens 10, versets 3 à 5. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance du Mashiach. Ésaïe 54, versets 14 à 17. Tu seras affermi par la justice. Bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre, et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail. Mais j'ai aussi créé le destructeur pour la briser. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de Jéhovah. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit Jéhovah. Psaume 27, versets 1 à 3. L'Éternel est ma lumière et mon salut.
de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Psaume 23, verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Romains 8, versets 37 à 39. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Yeshua HaMashiach, notre Seigneur. Psaume 44, versets 6 à 8. Avec toi, nous renverserons nos ennemis. Avec ton nom, nous écraserons nos adversaires. Car ce n'est pas en mon arc que je me confie. Ce n'est pas mon épée qui me sauvera. Mais c'est toi qui nous délivres de nos ennemis et qui confonds ceux qui nous haïssent. 1 Samuel 17, versets 45 à 47. David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de Jéhovah des armées, de l'Élohim de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, Jéhovah te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Élohim. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que Jéhovah sauve, car la victoire appartient à Jéhovah et il vous livre entre nos mains. » 2 Thessaloniciens 3, verset 3. Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous préservera du malin. Jérémie 17, verset 18. Que mes persécuteurs soient confus et que je ne sois pas confus, qu'ils tremblent et que je ne tremble pas, moi. Fais venir sur eux le jour du malheur, frappe-les d'une double plaie. Jérémie 1, 10. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches, que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Jérémie 1, 19. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit Jéhovah. 1 Jean 4, 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 3, verset 8. Le Fils d'Élohim apparu afin de détruire les œuvres du diable. Jacques 4, verset 7. Résistez au diable et il s'enfuira loin de vous. Jean 16, verset 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Amen.